Mi nombre es Nayeli Gómez Utus. Mon nom est Nayeli Gómez Utus. J'ai 11 ans. Hermanos, hermanos. Mes frères, mes sœurs. Familias en Cristo. Famille en Christ. Personas de todo el mundo. Les personnes du monde entier. Mis cordiales saludos. Recevez mes salutations Quiero distinguées. Decirles, hermanos, je veux vous dire, mes frères, qu'avant, à l'enfant que je suis, j'aimais mettre des boucles d'oreilles. Je suppliais même, je pleurais à mes parents afin qu'ils me l'achètent. Avec mon argent de poche, je l'achetais. J'aimais mettre des vernis. J'aimais mettre les parfums de mes parents et de mes tantes. J'aimais beaucoup me couper les cheveux et même sans l'autorisation de mes parents. J'aimais beaucoup regarder mes Barbies. Je regardais toutes sortes de dessins animés. Je regardais les telenovelas et même les combats. Et des fois, pour voir ces choses, je n'allais pas à l'église. Toutes ces personnes qui pratiquent ces choses du monde, cela ne plaît pas à Dieu. Parce que les gens qui ont pratiqué, les parents qui ont regardé le sport, et les mamans qui ont regardé les telenovelas, les jeunes qui vont en boîte, les enfants qui regardent leurs dessins animés et qui sont morts aujourd'hui, ils sont en enfer. J'étais témoin de cela. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Celui qui confie en lui, il ne mourra jamais. Il aura la vie éternelle. Mes frères, je t'invite à fermer tes yeux et à te mettre debout pour que tu m'aides à faire une courte prière afin que je commence mon témoignage. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton esprit vienne sur moi afin que je puisse témoigner ce que tu as fait avec moi. Prends le contrôle de mon être afin que je puisse témoigner. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Ceci est mon témoignage. Le 29 juin 2013, cette année, moi, mon frère et moi, nous venons à l'église. Et mes parents ne sont pas venus. Nous sommes partis à l'arrière de l'église. Quand nous sommes arrivés, au moment où ils disaient au revoir, on s'est mis à prier. D'un coup, j'ai vu le visage d'un démon qui me disait: viens, 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 viens. Je vais te rendre heureuse. Viens, viens. Et je lui ai dit à mon frère, regarde le visage. Mais le frère me disait: mais quel visage, Nayeli? Et le démon continuait à parler, il disait: viens, viens. Viens, viens. Je vais te rendre heureuse. Et j'écoutais que le frère a dit à un des enfants: cours, va appeler le pasteur. À ce moment-là, j'ai perdu la notion du temps et j'étais dans un endroit tout en noir. J'entendais des pas, on pouvait entendre des pas.
Le démon qui m'avait parlé, maintenant je pouvais le voir tout son corps. Et il me disait, viens, 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 je vais te rendre heureuse. Et je lui ai dit, je ne veux pas partir avec toi, je veux partir avec mon Seigneur. Mais il continuait à parler et il disait, viens, viens. Il m'a pris par le bras, tout mon corps était en feu. Il a ouvert une porte. C'était une grande porte, c'était pas une petite porte. Et là, on écoutait des cris qui disaient pitié, pitié, miséricorde et pitié, pitié. L'odeur était nauséabonde, une odeur désagréable. Et je ne voulais pas rentrer dans cet endroit. Mais quand j'ai voulu cligner l'œil, j'étais déjà dedans. Et il y avait des chambres, section par section. Le démon qui m'avait emmené n'était plus là. Il y avait des personnes. Il y avait des personnes et des démons et il y avait, et d'un coup il y a une belle lumière qui est venue et je pouvais pas voir ses pieds. C'était une belle lumière. Je ne pouvais même pas voir les vêtements. Et il m'a dit, tiens près de moi et je me suis approchée. Et il m'a dit, tu vas raconter tout ça, tout ce que tu vas voir. Et je lui ai dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas mes parents, mon frère? Et le Seigneur Jésus m'a dit, je t'ai choisi. À ce moment-là, des démons, ils emmenaient une personne. Et cette personne était âgée et elle avait des, elle était enchaînée depuis sa tête jusqu'aux pieds. Sa bouche était collée, il ne pouvait pas parler. Et il me fixait. Avec son regard, il me disait, échappe-toi, va-t'en d'ici, échappe-toi. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus, qui est-ce le monsieur? Et le Seigneur m'a dit, c'est ton grand-père. Quand il était sur terre, on lui a parlé de moi, mais il m'a ignoré. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment est-ce que mon grand-père peut être ici? Comment est-ce que mon grand-père peut être ici? Et le Seigneur m'a dit encore une fois, on lui a parlé de moi et il a ignoré. On l'a emmené dans une chambre noire. Et là, ils ont emmené un autre monsieur. Et ce monsieur était plus jeune. Il était aussi enchaîné depuis la tête jusqu'aux pieds. Lui, il parlait et il me disait, échappe-toi, va-t'en d'ici. Échappe-toi. Nayeli, échappe-toi, va-t'en d'ici. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur qui est-ce? Et le Seigneur m'a dit, c'est ton oncle. Et je lui ai dit,
Mais lequel de mes oncles? Et le Seigneur m'a dit, le père de ta cousine. Et il a dit, comment est-ce que ma famille peut être ici? Et le Seigneur m'a dit, il m'a dit, je laisse entre tes mains la vie de ta famille. Entre tes mains, je laisse la vie de ta famille. Donc ils ont pris mon oncle, ils l'ont emmené dans une chambre noire. Et d'un coup, le Seigneur n'était plus là. J'étais toute seule. Et je regardais dans tout le partout, et il n'était pas là. Je cherchais cette lumière. Et là, 5 démons sont apparus. Certains se moquaient et d'autres parlaient. Et ils disaient, tu vas rester ici, tu vas venir ici. Et je leur disais, non, je ne vais pas venir ici. Ils m'ont mis dans une chambre. Ils m'ont mis sur une table. Il y avait beaucoup de femmes et peu d'hommes. Il y avait un grand démon. Et il a pris un grand marteau. Et il a commencé à faire un trou dans mon oreille. Et ils m'ont mis une boucle d'oreille qui arrivait jusqu'à mes pieds. Et je criais. Je criais, pourquoi Seigneur tu m'as laissé? Regarde ce qu'ils me font. Regarde ce qu'ils me font. Cette boucle d'oreille pesait. Et ils m'ont mis des boucles d'oreille partout. Et ils m'ont mis des bagues. Les jeunes filles qui mettent des bagues sans être mariées. Aux jeunes, ils mettaient un clou dans sa langue et faisaient un trou. Ils leur mettaient aussi une boucle d'oreille. À toi jeune fille, à toi ma sœur, qui aime mettre des bagues sans être mariée. Tu aimes mettre des boucles d'oreilles. Toutes ces personnes sont en enfer, toutes ces personnes qui mettent des bagues et des boucles d'oreilles. Et ils m'ont mis dans une autre chambre. Ils m'ont demandé, le Dieu que tu adores, celui que tu sers, est-ce qu'il existe? Et je leur ai dit, oui, mon Dieu existe. Et parce que j'ai dit la vérité, ils m'ont coupé la langue. C'était dans la chambre des menteurs. Ils m'ont coupé la langue parce que les gens là-bas devaient mentir. Celui qui disait la vérité, on lui coupait un bout de la langue. À toi, jeune fille, jeune garçon, qui aime mentir à tes parents, à ton prochain. Ces personnes sont en enfer parce qu'ils ont menti. Ils m'ont sorti de là et m'ont emmené dans une autre chambre. Là, il y avait des garçons et des filles, des enfants. Ils étaient en train de chanter, mais quand ils chantaient, leurs bouches s'enfonçaient. Ils
et là il devait boire un acide. Et là il devait boire sans s'arrêter. Et quand il s'arrêtait de boire, les démons leur ouvraient la bouche et leur faisaient boire plus. Ils m'ont sorti de là et m'ont emmené dans un autre endroit. Toi, monsieur, qui va dans les fêtes et qui boit beaucoup, qui boit de l'alcool, si tu meurs sans te repentir, tu seras en enfer. Tu bois sans t'arrêter. On m'a sorti de là, m'a emmené dans une autre chambre. Et là, il y avait toutes les classes de personnes. Des jeunes filles, des jeunes garçons, il y avait toutes classes de personnes. Les démons leur donnaient un temps. Et ils devaient ramener quelque chose. Et s'ils ne ramenaient pas quelque chose, on leur coupait la main. Là, même au moins une pierre, tu devais leur emmener. Il fallait pas qu'ils sortent loin, voler. Il fallait qu'ils volent là où ils étaient. Ils m'ont sorti de cette chambre. À toi, jeune fille, jeune garçon, qui aime voler à tes parents. En enfer sont toutes les personnes qui ont volé. Toutes les personnes qui ont volé à leurs parents, qui ont volé à leurs prochains, ils sont en enfer. Et on m'a sorti de là et ils m'ont mis dans un côté. Et là, il y avait des personnes. Et les démons m'ont poussé. Et là, j'ai commencé à crier. Seigneur, Seigneur, sors-moi d'ici, Seigneur. Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé, Seigneur? Mais le Seigneur ne m'a pas répondu. Les démons me disaient, tu vas rester ici, tu vas venir ici. Et je leur disais, je ne vais pas rester ici. Je vais partir avec mon Seigneur. On m'a sorti de là. Et là, le Seigneur est venu. Et je lui ai dit, Seigneur, regarde ce qu'ils m'ont fait, Seigneur. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Pourquoi tu m'as laissé, Seigneur? Pourquoi tu m'as laissé? Et le Seigneur ne m'a pas répondu. Et je lui ai dit, Seigneur, sors-moi d'ici. Et le Seigneur m'a dit, tu dois encore voir des choses, tu dois encore voir des choses. Et il m'a emmené dans une chambre où il y avait un jeune. Et il dansait, il répétait des pas. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qui est-ce? Le Seigneur m'a dit, lui c'est Michael Jackson. Il a dit, non, sur terre il a fait un pacte avec le diable, c'est pour ça qu'il est là. Le Seigneur m'a sorti et il m'a emmené dans une chambre plus grande. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de danser pareil que Michael Jackson. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, mais pourquoi eux aussi ils sont en train de danser? Mais le Seigneur m'a dit, eux ce sont les fans de Michael Jackson.
Et j'ai dit au Seigneur, même les admirateurs de Michael Jackson viennent ici. Et j'ai dit au Seigneur, mon cousin ne peut pas venir dans cet endroit. Mon cousin ne peut pas venir dans cet endroit. Et le Seigneur m'a dit, entre tes mains, je laisse la vie de ta famille. Entre tes mains, je laisse la vie de ta famille. Le Seigneur m'a sorti de là et m'a emmené dans une autre chambre. Il y avait une jeune fille qui est en train de se mettre un liquide dans son corps. Mais elle se mettait comme un parfum. Quand elle mettait le parfum, son corps brûlait. En premier, c'était son parfum. C'est pour ça qu'elle était dans cet endroit. À toi, jeune, qui aime mettre des parfums. À toi, jeune fille, qui aime mettre des parfums. Ils sont en enfer, les personnes qui mettent des parfums. Le Seigneur m'a sorti et m'a emmené dans un local. Et les jeunes, ils étaient dans un endroit, ils chantaient. Et ils prenaient un bâton. Et quand ils le touchaient, le bâton le brûlait. Ils devaient chanter. Parce que s'ils arrêtaient de chanter, ils brûlaient. Non, on les fouettait. Quand ils s'arrêtaient de chanter, on les fouettait. Ils étaient habillés d'une certaine façon et ils étaient en train de chanter. Il y en a un d'eux qui a commencé à crier. Ils ont commencé à dire pitié, pitié, pitié de moi, sortez-moi d'ici. Au moins pendant une seconde, seulement pendant une seconde. Eux, ils ne demandaient même pas une minute, une heure, ils demandaient une seconde. Ils demandaient seulement une seconde. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi il n'y a plus d'espoir pour eux? Et le Seigneur m'a dit, je ne peux pas les emmener à mon royaume parce qu'ils ont déjà eu leur opportunité et ils n'ont pas écouté. Le Seigneur m'a mis dans un autre endroit et il est parti. Et là, j'étais toute seule. Et j'ai entendu le bruit d'un lion. Et là, il y avait un peluche, une sorte de peluche, qui disait, rappelle-toi quand tu devais aller à l'église et tu n'allais pas à l'église. Rappelle-toi quand t'as invité et tu ne voulais pas aller. Quand les personnes entendaient ça, ils se cachaient. Il y avait un démon plus puissant qui venait et tous les autres démons se mettaient à genoux et disaient « Mon roi, mon roi est venu. » Le démon disait « mon roi, mon prince est venu. » Et d'un coup, de l'obscurité, il y a un démon géant qui est apparu. Il y avait de la fumée qui sortait de son âme, de son nez. Et les autres démons disaient « Mon prince est venu. » mon roi, mon prince est venu. Et un démon qui m'a pris par le bras. Je luttais, tout mon cœur brûlait. Et quand il m'a tenu,
Le Seigneur est descendu et il m'a pris par l'autre bras. Et ils ont commencé à me tirer. J'allais vers le côté du Seigneur, mais le démon tirait aussi. Et le démon m'a lâché et il me disait, tu vas venir ici. Et je pleurais, le Seigneur m'a emmené. Et je disais au Seigneur, Seigneur, sors-moi d'ici. Sors-moi d'ici, je ne supporte plus, sors-moi d'ici. Mais le Seigneur m'a dit, tu dois encore voir. Le Seigneur m'a emmené à un mur, il y avait des personnes. Des personnes de ma famille étaient là-bas, mes parents, mon frère, mes cousins, et certains frères de l'église. Ils étaient enchaînés, mais ils n'avaient pas des chaînes blanches, noires. Ils étaient en train de marcher sans but, sans destination. Et je pensais qu'ils étaient morts. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ils sont là? Et le Seigneur m'a dit, ils sont vivants sur terre, mais beaucoup d'eux ne se réconcilient pas et d'autres ne se convertissent pas à moi. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils marchent sans but, sans destination. Là, il y avait mes parents, mon frère et mes grands-parents, leurs corps ont disparu. Et je pensais qu'ils étaient morts. Et j'ai demandé au Seigneur, où est le corps de mon frère, de mes parents et de mes grands-parents? Et le Seigneur m'a dit, ils se sont réconciliés avec moi. Je laisse entre tes mains la vie de ta famille, m'a dit le Seigneur. Et je lui ai dit, je ne vais pas y arriver, Seigneur, je ne vais pas y arriver. Et le Seigneur m'a dit, je vais t'aider. Je vais t'aider. Et là, j'ai entendu des applaudissements. Une voix qui disait, ma fille est en train de me louer. Ma fille est en train de m'adorer. Et le démon parlait. Je disais au Seigneur, je disais au Seigneur, qui est en train de louer le démon? Et j'ai dit, le Seigneur a dit ta tante. Et j'ai demandé au Seigneur, lequel de mes tantes? Et le Seigneur m'a dit, ta tante Clara. Et je lui ai dit, mais comment tu peux savoir le nom de ma tante? Et le Seigneur m'a dit, je sais tout. Je disais, oui, ma tante danse ses danses dans les fêtes, mais elle ne loue pas le diable. Mais le diable pense que c'est à lui que ta tante adore. Et je disais au Seigneur, 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 sors-moi d'ici. Et le Seigneur m'a dit, tu dois encore voir des choses. Et là, le Seigneur m'a emmené dans une chambre. Et là, il y avait des hommes qui étaient en train de violer des démons. Je ne supportais plus. Ils demandaient pitié, mais eux, ils n'avaient plus pitié. Ils étaient en train de violer des femmes démons. Les personnes qui sur terre violent, qui font de mal, parce que s'ils meurent
que nos pères aussi seront en train de violer. Il m'a sorti de là et m'a emmené dans une autre chambre et là il y avait des enfants. Les jeunes filles regardaient les dessins animés, les barbies. Ils ne devaient pas fermer les yeux parce que s'ils fermaient les yeux, ils leur mettaient des pinces dans les yeux. Et s'ils fermaient les yeux, la pince perçait leur visage. Les enfants regardaient Dragon Ball Z. Et les jeunes femmes qui regardaient leur série, quand ils essayaient de fermer les yeux, les pinces perçaient le visage. Les parents aussi qui regardent le sport. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus, sors-moi d'ici. Je vais te sortir d'ici, mais tu vas raconter tout ceci tu dois raconter. Et j'ai dit au Seigneur, je ne vais pas le raconter, je ne vais pas le raconter. Et le Seigneur m'a dit, tu dois le raconter. Pas seulement dans ton église, mais dans différents endroits, dans différentes églises. Les démons venaient et ils disaient, mon roi, mon prince, il faut que tu viennes avec nous. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, comme tu veux, je vais le raconter, mais sors-moi d'ici, je ne veux plus être ici, je ne veux pas rester ici. Et le Seigneur m'a pris par le bras et j'apparus de nouveau devant la porte. Et je lui ai demandé, où sont les enfants de mes tantes qui sont morts dans leur ventre? Et le Seigneur m'a dit, ils sont dans mon royaume. Ils sont heureux, mais en même temps ils pleurent. Et je lui ai demandé, où est l'enfant de mon autre tante? Et le Seigneur m'a dit, lui aussi il est heureux dans mon royaume, mais en même temps il pleure. Il pleure parce que ses parents vont dans un mauvais chemin. Et le Seigneur m'a dit, c'est pour ça qu'entre tes mains je laisse la vie de ta famille. Et j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas y arriver. Et le Seigneur m'a dit, je vais t'aider. Les démons sortaient des portes et ils disaient, mon roi, mon prince, veux qu'il vienne avec nous. Et je dis au Seigneur, Seigneur, sors-moi d'ici. Ils viennent me chercher. Et le Seigneur m'a pris et j'étais de nouveau à l'église. Je ne reconnaissais personne, même pas mes parents. Les cris continuaient à sonner dans ma tête. Un des frères disait, dis Jésus. Et de ma bouche est sorti le mot Jésus. Tous les cris ont disparu. Et là, j'ai retrouvé la mémoire et j'ai reconnu mes parents, mes frères. Dans Apocalypse 21:8, il est dit, mais les lâches, les incrédules, les abominables, les homicides, les fornicaires et les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac de feu qui est la deuxième mort. Mes frères et sœurs, jeunes, personnes partout dans le monde
constitue tout ton corps de l'existence de l'enfer. Je te confirme que l'enfer existe. Parce que toutes ces personnes qui sont mortes sans Christ sont en enfer. Toi, tu as encore au moins le temps de te repentir, mais pour eux, il n'y a plus d'opportunité. Chacun de nous a l'opportunité de nous repentir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus te dit, tiens à moi, et je te ferai reposer. Jeune, jeune fille, frères et sœurs, je vous invite, venez devant. Peu importe dans quelles conditions tu es, peu importe dans quel problème tu es, je t'invite, viens devant. Si tu veux donner ta vie à Jésus, ou si tu veux te réconcilier, Jésus t'aime. Je t'invite, viens devant. Viens devant te réconcilier. Tu as une opportunité de servir le Seigneur. Je t'invite, viens devant. Si tu veux te réconcilier ou donner ta vie à Jésus, je t'invite, viens devant. Peu importe dans les conditions que tu te trouves, viens devant. Si tu veux te réconcilier ou donner ta vie à Jésus, parce que il te rendra libre. Il te donne une opportunité de l'adorer. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Hallelujah.